Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on est en vocal privé, moi, je vais basculer sur ma direct Twitch. Comme ça, tu peux aussi bien me rejoindre, si tu le souhaites, que les autres. Far Cry 2 est un jeu que je fais pour la troisième fois. Et d'ailleurs, je vous mettrai sur ma chaîne YouTube des épisodes d'avant où j'ai joué solo dans mon coin. Donc, ça, c'est plutôt sympa que vous soyez... Enfin, que vous ayez la possibilité de venir me faire la causette en direct. Voilà, n'hésitez pas. Et là, je vais faire tout de suite la bascule sous Discord. Ah d'accord, j'ai une scène avec la webcam dans le bon sens et une scène avec la webcam dans le mauvais sens. C'est renversant. Ah ouais. Donc là, au moins, vous le voyez à l'endroit, que ce soit à l'envers ou pas. C'est Minette, t'as un mot à rajouter ? Non ! Jamais, hein. Salutations à ton public, mon cher fun fan. Merci, c'était cool comme aventure à vivre. Moi, je vous donne rendez-vous sur Far Cry 2. Je fais la bascule. Bisous, à plus. Moi aussi, je vais faire la bascule. Ok. Oui. C'est ça qui est bon. Ah, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai mis le bon plan ? Non, j'ai pas mis le bon plan. Vous voyez ma tronche ? Pardon. Là, ça devrait être plus agréable, je présume. Alors, pour rappel, je devais poursuivre un convoi de trafiquants d'armes et le faire exploser. Parce que c'est de la contrebande et il faut s'en débarrasser. Attends, je sais même plus où est la route. Merci pour le relais de chaîne, mon cher fan. Après le jeu d'aventure point and click, Lair of Tempress, qu'on a découvert chez toi, on se retrouve de mon côté en Afrique, où on va devoir... Wow, je me fais déjà cueillir comme une fleur. On va devoir se débarrasser d'un convoi d'armes. De nuit, je vois rien. Je sais pas si vous voyez un truc... Et voilà, je reviens. Ouais! C'est cool, Fun Fan. Ouais, avec les sons, ouais. Attention! J'aurais dû changer d'arme. Re tout le monde! Re du coup. Ouais. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Donc ces expériences seront utiles pour plus tard. Avant, maintenant, on sait qu'il faut faire au moins 2 fois. Ah merde, j'allais me soigner au moment où il m'a percuté. Donc il m'a fait tomber du véhicule, il m'a blessé, je suis mort. C'est ballot, hein. C'est vachement réaliste. Ah c'est dommage, c'était cool que le mec ait couru vers le tonneau d'explosifs. Vous avez vu, j'avais mis une panique d'enfer. Là, c'était, ça s'annonçait bien sur ce coup-là. Et manque de bol. Alors que je m'apprêtais à changer d'arme, il m'a percuté violemment et ça m'a tué. Quand même dingue. Ouais, Wisebot est devenu beaucoup plus intelligent. C'est cool. Allez, je vais prendre le pistolet mitrailleur. Ah,
Ah, ils m'ont liquidé. Il y aura du changement pour mardi. Hein. Pourquoi? Alors, rien de grave. Ah. C'est juste que, parce qu'en fait, avec le colloque, baron, c'est pas lequel j'ai dit. Oui. C'était en fait de ne pas avoir plus de temps une seule fois. Ah. C'était une rôle de. Comment dire? Je m'attendais que ce soit beaucoup plus, mais pas à ce point. Et puis arrivé à la fin, c'était de prendre du tir, c'est une action qui est plus chacune. Donc, en fait, on a vu que les aérosters, il accepte qu'il passe une petite 2 heures jusqu'à 16 heures, et après de 16 heures, il peut faire un peu éventuellement. Ah ouais! D'accord. 2h, 3h du matin, ça peut le faire. En plus, il m'a dit le baron que. Il m'a dit que ce mardi, il sera mieux. Donc on s'est dit au mieux de faire une seconde partie parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. On s'est dit de faire un coup de. Peut-être. Et donc Aeroster a accepté. Ouais. Passe 14h, 16h et qu'après je passe 16h jusqu'à que moi et le baron soient fatigués pour aller au bout de la vallée. Mmh. Bonjour Pedro, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Quand il a vu les rebondissements, il a vu que. Moi de mon côté, c'est à la fois mieux que ce que j'espérais et puis quand il me croit. C'est un peu comme manger du salé, en même temps. Donc pour un siècle d'acier, vous aurez 2-3 slots aussi comme ça. Et là, lui, on va le recommencer. D'accord. Eh bien. C'est ça, ouais, je serai pas là. Ouais. Ça me laisse un temps de réflexion. Que d'un côté, je suis embarrassé. Je me dis, est-ce que je fais 203 qui sort après le premier épisode du ciel d'acier, comme ça on fait un jeu hot qui n'a pas spécialement de. On enchaîne. Ou est-ce que je fais un ciel d'acier après 203, tu vois, je me dis, un ciel d'acier et sa suite directe, comme ça c'est prêt dans votre mémoire. Ouais, bah ouais. Mais d'autre côté, j'aime bien voir les évolutions de gameplay. Mais d'autre... Après, je me dis, 203, de toute façon, c'est un jeu sur PS1, donc c'est différent. Mais pas voir. Je verrai la semaine prochaine. Mais bon, les explications que tu as données, c'est toujours valable, vu que c'est toujours Raven Software. Révolution. Oui, la même Camry, ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Donc à ce niveau-là, au niveau de tes explications, c'est pas tellement. Toutes les semaines, ça va. Ah, je suis tenté de sauvegarder joyeusement là parce que j'arrive à progresser dans mon assaut, mais c'est pas de la tarte. J'arrive pas à localiser le gars qui me tire dessus. Je sais pas où il est. De nuit, c'est pas évident. Que je fais, je prends ma bagnole et je débarque en trombe dans le bâtiment. J'ai l'impression que je vais faire ça, je vais faire un assaut brusque. Il faut pas que je me loupe. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais sortir de la bagnole. Oh merde. N'empêche, c'est le quatrième jeu que je fais sortir en 92. Ouais. Il y a eu celui-là.
passer. Lors de Templet, il y a eu le Indiana Jones, également sorti en 92, Alone in the Dark, et Wolfenstein 3D. Après, je vais pas plus loin. Mais la bataille est là-bas. Pas des jeux qui sont sortis ou mais... Alors il te dit le jeu est trop fort, on entend à peine son fanatant. Ah d'accord, tu une scène, merci pour l'info. Oh, après tu sais je dis que des conneries. Alors... mais non. Attendez. Je vais baisser de moitié, à mon avis, ce sera bien. Merci, Tunesen. Heureusement que t'es là pour le contrôle qualité, parce que... Merde, il va foutre le feu à la station-service. C'est très cher, Tunesen. Intéressant ça, hein, une scène. J'ai vu que j'avais une scène où j'avais la webcam à l'endroit et une scène où j'avais la webcam à l'envers en mode miroir. Oh, j'arrive pas à voir où est l'autre mec qui me tire dessus. Oh merde, bah je l'ai trouvé. Il y a marqué TM. Ah merde, il est là. Ah. Je vais voir si ce jeu a le symptôme X-Fly ou pas. Ah oui. Ah, ce serait malheureux qu'il bug comme ça. Ouais, c'est vrai qu'X-Fly c'était vachement frustrant. Le coup de la cinématique et de l'option de dialogue qui n'apparaît jamais. Oh là là. Bonjour Nachevman, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Donc mon idée de me vautrer dans la station de service était la bonne. Quand y'en a marre, y'a marre là-bas. Quand y'en a marre... Ah, je l'ai vu le mec. Il est là-bas le stick. Ou vache. Ils m'ont explosé toutes les planches. Salut, Nash. Bon, je vais essayer le jeu et je tiendrai au courant des expériences. Ah. Pour me dire qu'il est trop fort, j'essaierai de ne pas mettre trop fort histoire de ne pas avoir. Ouais, bon, on va te faire nos retours, oui, t'inquiète pas. Un peu fatigué, mais ça va. Ok. Je vais fixer la vocale si ça a un retour un peu trop fort. Où est-ce qu'ils sont, les mecs? Bah, ils sont barrés. Bah, j'ai l'impression qu'ils se sont fait la malle. Ils ont fui. C'est bien la première fois que je vois l'ennemi fuir. Sérieux? C'est trop bizarre. Bah. Super, ma. La PS3 qui a pris direct, ça fait plaisir. Parce que des fois elle prend pas direct. Ah. Bon bah je vais réparer mon véhicule en attendant. C'est pas évident hein, les missions de nuit hein, dans Far Cry. C'est pas de la tarte, hein. On y voit que puik. Ah, pour le coup, c'est réaliste. Je sais plus si j'ai des équipements de visée nocturne, vision nocturne.
Doit y avoir, mais sur la fin, ça doit être un équipement spécial de luxe. On y voit que Quick, mais est-ce qu'on peut y, on peut y voir que McDo aussi? Oui, je fais mon Quick tellement. Oh merde! Merde! Il n'était pas assez proche du tonneau, le gars. Ah, ça a pris feu. Vous voyez que j'ai une chance. Aïe! Par ici. Ah, il pète le feu, le mec. Le problème, c'est que j'ai réussi de faire exploser la station-service. Je vais peut-être me barrer à l'opposé avant que tout pète. Parce que là, ça va flamber. Je peux me barrer avec son véhicule? Non, déconne pas. Aïe! Non, merde! Ah, baisse-toi! Ah, il est... Non, c'est la bouteille, ça. Ah, je crois que c'était le mec qui se tenait en joue. Il est où, le mec? Je vois rien, il fait nuit, c'est une horreur. Eh, c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu d'explosion. Non, mais c'est pas possible, ça va finir par péter. La température doit monter intensément dans la station. Oh, c'est bon, ça. C'est la boîte à munitions. C'est la boîte à munitions. C'est ça qui est bon. Je vois rien. Il est où, le mec qui m'a tiré dessus? Où est-ce qu'il s'est planqué? Bon, je vais faire mon parano de la sauvegarde, mais j'avance bien, mais ça me ferait suer de mourir bêtement comme un caca, là. Ah, ah, le v'là. Il court le furet. Cadeau. Anthony. C'est ça. J'en connais un qui va détaler comme un lapin. Ou qui va cramer. Je pense qu'il est en train de mourir cramé, cet abruti. Ah, il est là. Je l'ai eu. J'ai gagné. Bon, bah je pense que je devrais être peinard à partir de ce moment. Je rappelle que ma mission est de détruire un convoi de matos. Armes et compagnie de propagande. Ah. Bon. De contrebande, pardon. De propagande. De contrebande, pardon. Je sais plus ce que je dis. Je m'enfuis. Je suis en train de me dire, ce serait bon que je me programme une touche automatique, tu sais, pour la sauvegarde en une touche, quoi. Ce serait bien. Bah tiens, on va écouter la radio. Elle est où, la radio? Comment je fais la lampe? Mais non, mais... Ah, le recording playback, il va falloir que j'utilise en guise de sauvegarde rapide parce que ça me bouffe. J'aime pas du tout la touche. Attendez.
Je vais résoudre le problème et je serai peinard pour le restant de la carrière dans le jeu. Divers, je pense que c'est la sauvegarde rapide. Voilà. Oui, bah je lis enregistrement, je m'en moque. Ouais, je veux changer. Parce que lire enregistrement, je vois pas l'intérêt. Lire enregistrement, éventuellement, je vais faire la touche retour, mais. Enfin bref, la correction au-dessus de la touche entrée, vous voyez. Voilà. Donc, si je fais pas mon idiot, sauvegarde rapide. C'est beaucoup plus pro. Je vous ferai pas suer à aller dans les menus, vous voyez. Je vous ferai plus subir ça. Ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Oh, je vais faire mon mécano. Le merveilleux mécano, c'est magique. Le moteur, il va arrêter de fumer. Le radiateur, il aura plus de fuite. La 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 la. J'ai gagné une Jeep bleue. Ma Jeep bleue. J'en ai besoin, bande de pouilleux. J'ai un convoi à faire péter. Il est au nord, je dois... Oula. Attends voir. C'est quoi cette rue? Ah oui, c'est par là qu'est arrivé l'assaillant. Putain, mais le convoi, il est à l'autre bout du pays. Si vous pouvez observer mon GPS, je suis en train de courser une flèche. Quoi? N'importe quoi, mais quelle idée de parler de Fayot. Je sais pas, il vient de traiter par là. Mais ce... l'orthographe de Fayot, je crois que c'est en 5 lettres. T'as oublié un T à la fin, je crois. Parce que le féminin, c'est Fayotte. Ou le verbe failloter. Merde, j'ai fait n'importe quoi, moi. Oh, je me suis livré à l'ennemi. Ça aurait peut-être dû être Fayot avec un T. Et ça se dit le verbe failloter. Que je sache. Ah. Bon, je vous cache pas que ce sera mieux quand... Ah, tu vois? C'est un vrai Fayot, il dit qu'il a un robot de pétage. Ouais, il te répond bien. Ouais, il faut faire gaffe de bien orthographier et bien formuler ses phrases. Là, il nous provoque, hein. Oh, 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 oh oui, je lis. J'aime bien avec le pneu qui s'est mis à rouler. Il a peur, hein, il n'ose pas, hein, quand le micro. Il lui dit de me bannir, il ne le fait pas. Hein. Vous entendez, le mec, il est en train de cramer. C'est horrible. Mais ouais, excellente, hein, les interactions avec Wisebot. Je vois ça dans le chat, c'est du délire. Ah, cool. Cool. Oh, attention. Le feu s'approche un peu trop des explosifs. Et une trousse de soins pour moi. Une...
Alors, si la terre vous semble si proche, c'est normal, c'est que je me déplace accroupi. Attends, c'est moi ou j'ai cru voir une mallette à diamants? Attends, je me mets sur mes jambes, là. Non, j'ai rêvé. Ah. Oh, ça va flamber, tout ça. Il faut que je fasse gaffe. Ah, mais c'est là où j'étais avec la mallette de diamants, mais c'est vrai. Suis-je bête? Je suis pas programmé pour donner des avis. Et il te répondra jamais sur la concurrence et surtout le ChatGPT. Il te répondra jamais. Il y a des points qui ont dit que l'État soit programmé sur le plus. Merde, je peux pas couper à travers champ, il y a du relief. Ah, je pensais faire mon malin, mais finalement ça se retourne contre moi. S'il n'y a pas de route, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a trop de montagnes. Qu'est-ce que je fais? J'y vais à pied? Ouais, je vais y aller à pied, j'abandonne le véhicule dans la cambrousse. Je pense que on doit être au milieu de la nuit et l'aube va pas tarder à se pointer avec les premiers rayons du soleil. Et on y verra mieux pour les chasses à l'homme. Alors, on voit encore l'incendie de la... Quand je regarde par endroit, on voit que ça flambe encore au loin. C'est dingue quand même. Merde! Non, le relief est trop escarpé, je peux pas escalader ça. Oh, merdoum. Ah, pas de bol. Je suis conscient de tout. Oh là là. Ah non mais... Il promet, Wisebot, il promet. Non, s'il y a une question qui serait intéressante à lui poser à Wisebot, mais très sérieusement, c'est est-ce qu'on peut écrire, contacter son créateur par courriel? Parce que arrivera un jour où je serai tenté de contacter le créateur de Wisebot pour lui proposer mon logiciel là, d'interface. Puisque je me base sur sa technologie. Ce serait amusant de poser la question à Wisebot. Peut-on contacter ton créateur? Ce serait amusant de voir la réponse. Merde, j'essaie de faire des sauts comme si j'étais Crane dans Dying Light. Il faut que j'arrête de confondre les deux jeux. C'est quoi ça? Ah mais c'est un zèbre! Ah, c'est un zèbre de nuit. La vache, ils sont vachement... J'allais dire lumineux. Ils sont vachement visibles avec leur pelage blanc dans la nuit. Bon. Il a répondu, contacte-le sur son site web. Ah, ok. Merci pour la réponse. Alors là, quel est le site web? Bah, c'est wisebot.tv, non? C'est pas ça? On ne sait jamais, hein. Attends. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. Ouais, je crois aussi au Christella. Ouais. Exact. Hey, tire pas. Enfin, je le fais pas maintenant, mais ça viendra où je le contacterai quand je... Lui, il a toujours autant la tremblotte. Ce qu'il te faut, c'est un autre type dans les parages, au cas où. C'est cool. Alors moi, ce qu'il me faut surtout, c'est demander l'aube. Allez, prends-moi avec toi. Alors il a dit, faut marquer Wisebot sur Google. Ouais. Ouah. Le docteur Boutique, il a dit que c'était lui. Il était trop là. Alors, si comment je fais pour... Boutique, ça marcherait pas aussi bien, c'est ce que je viens de dire. 5 heures du mat. Allez. Est-ce que je déclenche l'aube? Bah voilà! Oh là, eh oh, il m'a mis la pleine journée, mais faut qu'il arrête! Euh,
ça va trop vite dans le... Je suis pas... Ouais, bof. Je suis pas enthousiaste, là. Il m'a fait trop défiler la journée. On est quasiment au soir. Moi, je voulais me réveiller au petit matin. Je suis pas super ravi de ce qu'il vient de me faire, là. Oh, le convoi, il est vachement loin. Alors, le convoi doit être quelque part par là-bas. J'aurais dit plus en amont. Qu'est-ce que... C'est beau, ça. Oh, il y a un buggy. Ah, c'est un arrêt de bus. J'ai envie d'être sadique avec moi. Ah bon? Oui. Merde, j'ai lancé une grenade, con. C'est dommage! Il y avait un nouveau véhicule! C'est vraiment dommage! Attends, c'est quoi la lampe torche? Je sais plus. Merde, j'ai fait une sauvegarde, con. Bon, tant pis, bien fait pour ma tronche, j'ai tout faux. J'ai tout merdé! Attends, j'ai pas la lampe torche dans le... C'est un bon troll. Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Est-ce qu'un jour tu rêves d'avoir un ban de la part de Nashevman? Pourquoi voudrais-je bannir? Tu m'étonnes. Alors, y a pas une lampe torche dans l'histoire? Je sais plus. Ou je confonds là aussi avec Dying Light. Action. J'ai pas de lampe torche. Bizarre. Utiliser la carte. Ah non. Ah merde, je croyais. Voter, accéder, afficher le score. Véhicule. Accélérer, ralentir, tourner. Les phares. Oui, mais ça, c'est quand t'es dans une bagnole. Non, bah, c'est moi qui vais chercher midi à 14h. Y'a pas. Y'a pas, je vais chercher trop loin. Ah, d'accord, c'est un petit bêta. Okay. Ouais, c'est bien, y'aura du nouveau dans le futur, c'est cool. Attends. Ah, je peux aller au centre de la ville. Je lui demande le code de ta carte bleue, le sein, il me répond que qu'il a atteint son quota de réponse. Comme par hasard. Aïe aïe aïe. C'est malin. Bon, avec mes aideries, je me retrouve à pied. D'accord, il faut le laisser 30 minutes au repos et après il peut répondre à une nouvelle salve de questions. Ils sont contents qu'on l'utilise parce que ça leur permet d'améliorer le truc. Ouais. Oh, c'est sympa. Donc en plus qu'ils essayent de faire des réponses différentes s'il est modérateur ou s'il n'est pas modérateur. Ils utilisent OpenAI. Mmh. C'est langage de programmation ouvert et accessible à tous pour développer une intelligence artificielle. Un zèbre et une gazelle. Enfin, je crois... Oui, je sais pas si c'est des gazelles ou... Mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Je le connais pas. Ah, c'est un nuage. Je me dis, c'est quoi le truc blanc loin? C'est un nuage. Il n'y a pas de diamant dans le coin? Oh merde. Ah
En plus, il y a un truc qui me fait plaisir dans le jeu 203. Il est fortement recommandé d'utiliser les sticks analogiques, puisque la PS1, les premiers modèles ne l'avaient pas. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Et heureusement, je sais comment on les simule sur PS3, donc ça ne me cause pas de problème. Donc là, je vais démarrer le jeu. S'il y a trop de son, tu me diras. Hein. Ok. Dans ces cas-là, je touche toute la vocale. Ouais, je touche la vocale. Je me mute. Donc là, je suis obligé de tester parce que c'est un jeu PS1 et que pour les jeux PS1, c'est comme PC. On ne sait pas comment ça marche avec la compatibilité. Enfin, ça va marcher quoi qu'il arrive, mais, parce que les CD sont propres. Mais je veux voir si on a le Phantom X5 ou pas sur ce jeu. On l'avait un peu sur Duke, mais ça, c'était pas dérangeant sur Duke. L'autre, il a pas réagi. Je m'attendais à ce qu'il court à grandes enjambées et il s'est rien passé. Donc j'ai dégommé les deux mecs les doigts dans le nez. Non, ne me dis pas que j'ai... Ne me dis pas qu'en dégommant les deux mecs, j'ai accès à un nouveau bâtiment. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir le symptôme faille sur la cinématique. Ok. On va la regarder. Je vais pas faire la découvrir avec lui. Mais j'allais dire, c'est des clowns, les gars. Que je les dégomme avec une aisance déconcertante. Bah, j'ai liquidé 6 mecs avec presque aucune résistance. C'est hallucinant. Et je rappelle que je joue au niveau de difficulté le plus élevé, hein, que je sache. J'ai pris le mode légendaire, où je suis littéralement à une balle, un mort. Donc... Ouais, non mais j'ai gagné. Incroyable, mais vrai, mais j'ai gagné. Je suis toujours en quête du fourgon à détruire. Je vais prendre leur bagnole, d'ailleurs. Ce sera simple. Ah, tiens, le convoi est plus si loin. Ah bah, lève-là, le convoi. Ah bah, il vient vers moi. Bah, je vais l'accueillir avec le pistolet mitrailleur. Le convoi. Je t'attends. Par contre, le jeu a une résolution un peu bizarre, oui. Pour avoir, si je devrais peut-être mettre la console en 380p ou un truc comme ça, parce que ça prend vraiment peu de l'écran. C'est un 4 tiers bizarre, c'est une résolution bizarre. Quoi. Ouais. Je ne regarde pas, mais... Bon, de toute façon, le camion sera amené à exploser. Donc la question est, où est-ce que je vais avec le camion pour ma prochaine mission? Ah, je serais peut-être amené à me dévorer un poste de sauvegarde, la petite tente qui clignote là avec le cadenas. Et toujours pas de diamants? Ça m'étonne.
Ça m'étonne vraiment. Attends, faut que je sois hors route. Il y a un abri par ici. Ah, je crois savoir où il est. Il est là-haut. Merde, il y a du monde. Merde. J'avais le droit à un comité d'accueil. Ah bah, j'ai mon coéquipier qui vient m'aider. Non, il y a un mec là-bas? Déconne pas. Ah oui, il y a un mec là-bas. Ah, planque déblanquée. Génial. J'ai débloqué la planque. Bah merci mec, tu m'as bien aidé. Cool. Ah, par contre pour le véhicule, c'est cuit. Ah, sympa la vue. La Africa, Dieu, belle Africa, où sont tes eaux bleues du Kankanika. Qui que quoi? Mort. Ah. Non, il n'y a pas de symptômes de faille, c'est rassurant. Bon, bah, c'est cool. Ça va être bien. Il y a un symptôme résolution chronique. Oui, mais ça, c'est autre chose. J'irais bien un peu à la chasse aux diamants, mais travers la cambrousse, si on a ou pas. Il y a bien des mallettes de planquer à droite à gauche, non? Ah, je me suis encastré. Non, bah laisse tomber. Je sens que je me retrouvais à pied. Ah là 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 là. Un petit coup de chauffe au moteur. En espérant qu'il explose. Tranquille, le zèbre qui fait sa vie. Est-ce que si je tire à la lunette sur le moteur, il explose? Non, j'ai pas l'impression. Ah ouais. J'ai pas explosé le camion, mais je l'ai cramé.
Et en fait, il m'accorde le fait que la mission était réalisée. Bon, j'en ai assez vu, le test est complet. Merde, je vais me faire voir. Oh bah j'ai eu chaud. Merci pour la livraison de véhicules. Trop sympa. C'est apprécié. Tu m'étonnes. Ça me dit toujours pas ce que je vais pouvoir faire en fait. Je sais même plus c'est quoi la suite de l'histoire. C'est bien de déverrouiller des planques et de chercher du diamant à droite à gauche, mais ça fait pas toute l'histoire. Ah, ce véhicule mystérieux qui est le buggy. Le buggy, buggy, bagou, biggy, biga, bigou, le buggy, buggy. Allez, je crois qu'on va en avoir plein la vue. Oh, il y a une tente au loin au niveau du... Merde, la malaria. Ah, la malaria fait ses effets. Merde, au moins. Alors, j'ai une plante que j'irais bien libérer qui est à l'angle du désert, au niveau de la carte. Il faudrait que je suive la voie ferrée. Attends, voir. Oh, il y a un diamant qui est proche. Oh merde, oh il pleut en plus. Oh bah j'ai la totale. J'ai plus de véhicule et avec ça... Attends, c'était où le diamant? Ah, le diamant est par là-bas. Allô, la chasse au diamant. Oh. C'est un diamant. C'est bon, ça? Oh, j'ai renversé mon joujou. Ah, attends. Je peux me pousser. Voilà, attends que je le répare. Et du coup, comme je l'ai bousillé. Donc, on fera les bibis vers 21h environ. Où je grignoterai un plus. Hein, je grignoterai quelque chose en même temps que de faire les bibis avec vous. Et à 22h, on fait relais de chaîne à Poupon pour son concert. Chou-chou, je suis le nouveau train. Chou-chou. Je vous demande de vous arrêter. Non. Je vous demande de vous arrêter. Parti dans le désert, je suis trop lentien. On a repris les mêmes fragilisages. Comme tu disais, j'ai le fait de la faire sur un œuf. Sur un arbre. C'est bien. D'accord. Bon, je crois qu'il a bugué. Ça fait deux fois qu'il me dit la même chose. Ah. Il a bugué. Il est fatigué. Bah, elle est où la planque dans cette formation rocheuse? Oh merde! Il y a un gars. Ami ou ennemi? Non, ennemi. Ah bah, planque débloquée. Deux têtes à faire sauter et hop, une planque en Kaido. Ça a jamais été aussi simple. Hey, je te connais. Qu'est-ce que tu fais? Bah,
C'est cool. Alors, mec, il faut que t'ailles te faire soigner, parce que t'as tremblote, t'as renversé une bouteille de whisky et t'as renversé la radio. Les choses se passent mal, un peu comme moi. C'est pas bien. Parfait, man, tu peux compter sur moi. Sur le terrain, le mec, il est super pro. Mais alors, dans le restant de la vie, le mec, il est incontrôlable. Il fout tout en l'air. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Bonjour Nayane, comment que ça va ? Eh ben ça va. Alors, on désigne du mercenaire en toute discrétion. Ouais. Avec grand plaisir. Il m'a dit qu'il adorait jouer à Age of Empires 2. Hein. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Ah oui, oui, t'as reposé la question après. Ok. Ouais, parce que j'avais pas vu ce qu'il avait répondu chez moi. D'accord, ok. Ok. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Bah, très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, ça va. Partie, tu te manifestes. Ah non, je venais juste dans la vocale pour bavarder. Mais si tu veux jouer, pourquoi pas hein. Non, tu dis ça à Wizbot. Ah, d'accord. Okay. Ah, d'accord. J'ai demandé à reprendre à l'aube. Ça, c'est cool. À l'aube, au petit matin, à 5h. Attends, je règle comme dans ATS le lobe au petit matin. Ouais, mais à l'idée de pouvoir faire la guerre pendant une journée complète du matin au soir, ça me plaît beaucoup. Oh, c'est beau, ah, regardez-moi oui. Ça comme c'est beau. Oh, c'est trop la classe. C'est magnifique. Ouais. Wouh. Une journée guerrière vient de commencer. C'est l'heure de préparer à fusiller. Je vais prendre mes armes, ma gourde et mon grenadier. La journée va démarrer. Un matin de ta vie sur la planète. Oups, ah merde. Attirer à tout va faire sauter les cervelles. C'est horrible. Attirer à tout va faire sauter. Ah oui, mon Dieu. Et je fais pas mal de tirs à la tête hein, quand je suis en sniper. Le singe avait la ref, j'ai chanté juste après un moment. Bon, juste, je sais pas, mais. Au moins, t'as compris le message. Enfin, ouais, si la motivation était là. T'es sur l'autoroute ? Ah non, t'es sur le rail. Ah, je suis désolé, excuse-moi, c'est là, je suis désolé, excuse-moi, Kayane. Ah oui, t'as demandé Christella à tuer un avis sur Kayane. Oui, elle est sympa, elle a l'air sympa. Bien vu. Allez, Kayane, bah oui, jeune. Ça y est, je fais des lapsus. Des lapsus écrits. Ouais, des lapsus écrits et vocales, ça y est, ton Kayane et Christella, ça y est, c'est fini. Les cas m'embrouillent. Oui. Bah pour rappel, c'est en fait grâce à toi que je suis parti à la rencontre de Kayane et c'est vrai qu'elle est adorable. Hein. Le peu que j'ai pu converser avec elle, j'ai eu cette chance-là, et elle est adorable. J'ai bien aimé échanger quelques minutes avec elle. Ah, c'est bien, c'est très bien. Très bien. Et toi, Fanfan, as-tu échangé avec Kayane? Ça dépend où. Ah, d'accord. Tu l'as vu en vrai ? Je l'ai vu en vrai, je n'ai pas pu. Ah, c'est bien. Je ne l'ai pas pu parce que elle était à quelques centimètres de moi, mais elle répondait à une interview pour des journalistes asiatiques. Ah, ok. Je n'ai pas osé la déranger à la Paris Games Week. Ah. Après, oui, j'ai eu la chance de pouvoir converser avec elle sur Twitch. Même ah, ok. Ok, bah. Comme j'ai la chance avec vous aussi, hein, attention. Hein. Ah non, mais Kayane, c'est mieux, je comprends. Non, c'est... Avec elle, je ne vois pas faire un... Je ne vois pas... Je préfère jouer avec toi, Edge of Empire. Que Street Fighter. Avec elle, à Street Fighter, tu vois. Ah. Ah bon, parce qu'elle est très forte. Oui, et que j'aime moins bien les jeux de combat. Bah, oui, ah bon. Elle est une championne mondiale et tout. Et oui, c'est ça, c'est fait connaître. Gagner un round face à Kayane, c'est le mieux que je puisse espérer. Ouais, mais de toute façon, les jeux de combat, tu connais le catch. Après, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Ah, le catch et les jeux de combat, même s'il y a des gameplays similaires, c'est pas pareil quand même.
D'accord. Bah oui, je me doute, c'est, enfin, je crois que c'est le combat, c'est surtout de la technique comme ça, mais le jeu de catch, c'est à la fois du spectacle et à la fois du combat, quoi. Oui, c'est impro, c'est pas improvisé, c'est scénarisé, quoi, la plupart. Parce que... dire que du FPS solo et multi, c'est la même chose. Bah non, voilà. Ouais. 80 diamants, le sage. Ouais, et vous aurez vu que j'ai fait usage du véhicule que j'ai plaqué contre la formation rocheuse afin de pouvoir escalader mon véhicule pour atteindre le sommet de la formation rocheuse pour pouvoir ensuite mettre la main sur la mallette au diamant. Bon, il faut ruser de temps en temps. C'est on aurait dit une pièce, on aurait dit un bloc d'argent colmaté, pas très lingot mais déformé. Attention, on sort le gros fusil. Ouais, je vais allumer un Mickey là. Oh, il fait juste un safari, n'emmerde pas. Ouais, ouais. En fait, il a l'air de galérer. Ah non, il y arrive. Il y arrive, il y arrive. Bon, c'est ça. Allez, deux. C'était une dame, non? Non, c'était un mec. Il y a pas. C'est très masculin oh, le jeu. D'accord. Je finis même par me poser la question s'il y a ne serait-ce qu'une femme. Je crois qu'il y en a pas une dans l'histoire. Je crois qu'il y a que des mecs. Oh. Il y a pas d'enfants, pas de femmes, que des mecs. D'accord. Ok, ce jeu est sponsorisé par les rasoirs. Quoi. C'est surtout un symbole quelque part de dire que la barbarie est masculine. Oui. Il y a un trop-plein de testostérone qui prend place en Afrique. Et voilà, c'est... tout est dit. C'est quoi le Far Cry où il y a les deux protagonistes méchantes sont des femmes. C'était après le Far Cry. Je pourrais pas dire. Far Cry 5. Après le Far Cry 5. Fait une espèce de suite. Enfin, je sais pas si tu as vu. J'ai demandé à mon pote s'il rêvait d'avoir un jeu de ban. Il m'a demandé pourquoi je serais banni. Voilà. Celui-là. Ah alors, voilà, j'ai trouvé. Bien. Oui. Attends, je cherche, je lis l'information. Ouais, vas-y, Nayone, on t'écoute. Voilà, c'est ça. Far Cry New Dawn. C'est avec des deux protagonistes, je crois que c'est des méchantes, c'est les deux femmes. Oh. On a leur nom ? Bah je cherche. Nadine Morano et Marlène Schiappa. Ça parle mal ! Il n'y a pas de détails. Je vais me rapprocher du micro. Peut-être qu'ils sont sortis en 2019. Si, enfin moi je t'entends. Bah, en fait, oui, moi j'entends vachement bien Fun Fan. Oui, alors. Ouais, mais après, par rapport au jeu, je sais pas, Nash, apparemment, il m'entend pas. Tu fais bien voilà. Faire la remarque, Nashevman, mais je suis surpris. J'ai trouvé, alors, les Ravageurs, principale fraction antagoniste dirigée par les jumelles Mickey et Lou. Voilà, donc c'est les deux méchants. Mickey et Lou, oula. Qui sont là. Protagonistes qui sont dirigés par le joueur. Sans oublier la comtesse vampire Elisabeth Borne. Pour opprimer, enfin, mon dieu, niaf, c'est beau. Donc, je disais, Nash, que j'ai demandé à Wizbot si un jour il rêvait que tu le bannes vu ta réputation, et il m'a dit pourquoi je serais banni. Ah, bonjour, Nash, bonsoir. Ma voix est très faible, pourtant, j'ai mis mon micro. Peut-être c'est le sage sur Discord qui m'a mis un volume plus bas. Bah, Fun Fan, je t'entends clairement aussi oui, bien moi, que Lionel. Oui, je pense que c'est au niveau d'OBS, il y a un filtre, je sais pas quoi. Mais j'ai pas appliqué de filtre pour Fun Fan. Ah, je sais pas, je dis, je me suppose. Attendez, je vais vérifier, petite pause, parce que ce que dit Nashevman m'intrigue. Je vais vérifier mes niveaux de volume entre les intervenants dans Discord. Ouais. Tu m'entends bien, Nash? Tu m'entends bien? Non, mais là, bonjour, tu m'entends c'est bien. Malin ça. Ah. Ça y est, tu passes en mode commando, Nayone. Tout le monde est au même niveau sonore, hein, je peux rien faire de plus. Là, franchement, pardon, mais Nashevman, je comprends pas. Attends, ce que je vais faire, j'ai écouté le stream parce que dans Discord, je vais couper le micro le temps de vérifier de mon côté. Je vous laisserai parler, je vais voir. Pour moi, j'ai rien à modifier, tout est en règle. Et moi, mon micro, il est comme d'habitude. Non, je t'entends bien sur le stream du sage, en fait. Ah, tu m'entends bien?
Moi ? D'accord. Bah oui, je t'entends bien. Ouais. Fun est comme étouffé. Ah bon ? Ah, du relent ? Tu veux dire un micro qui hurle ? Ouais, quand le capteur est trop fort ? Non, ça marche bien. Tu veux un truc d'un fun fan pour voir ? Ah. Allô ? Il y a comme de la baston, il parle faiblement, c'est pas le micro. Ah, bah je. Il est temps de mourir, ma voix est comme ça. J'avais même pas vu que les mecs étaient là. C'est bizarre ce problème de tournage. Bon, après, je veux bien redémarrer le PC. Hein. Non, parce que je t'entends très bien. Tu es sur le stream, mais c'est bon. Il est con, le mec. Ah, d'accord, j'ai vu pendant un moment de fight, il m'avait pas entendu. Ah, ok. Ah, juste une. Tu voulais qu'il répète quelque chose. Ah, ok, ok. Donc, oui, donc, je ne sais pas s'il y avait un moment de fight. Mais là, je me suis tagué sans faire ça, alors que je voulais taguer Wizbot. Désolé. Je sais pas pourquoi je t'ai tagué là. Ça, c'est de l'action. Impressionnant, hein. Ok, reste à couvert, il y a un sniper quelque part. Merde, il y a un sniper. Eh hey mec, t'es mal là. Fais tu chose. Sais, j'ai naïonné, j'ai demandé à Wizbot s'il préférait les BG ou les femmes élégantes. Ah, il a répondu quoi? Ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas de genre. D'accord. Mmh. Il a compris la question, c'est bien ça. Ouais, ouais. Ah, c'est beaucoup plus handicap. Et il est là, Wizbot? Attends, je vais le tester. Ouais, ouais. Il lui faut 30 minutes, mais là c'est bon. Normalement, il a rechargé. Attends, t'as écrit est-ce que tu aimes les beaux gosses? Mais j'ai marqué est-ce que tu es un beau gosse? Ouais, il va te dire qu'il a pas de beauté. Et attends, pas. Comme tu l'as fait hier, SBG. Je lui ai demandé s'il est tué un super SBG. Alors, un SBG, un super beau gosse. Ah, il a répondu, les humains n'ont pas le mot des adresses. Ah, mais c'est le poète pote du sage. Ah non, c'est le truc à. Parce qu'il y a quand même des réponses du sage à programmer. Non, mais tout à l'heure, il m'avait fait mes réponses, mais là, il m'a dit qu'il a atteint son quota. Ah, ok. D'accord, c'est pour ça qu'il répond. Il ou le mec qui m'a lu. Envoyé le lien, t'as pas besoin spécialement de. Aïe. Le non, mais. Pour, tirer, c'est juste pour m'amuser, hein, si je le fais plus. C'est un détail. Ouais, non, mais voilà, voilà. T'as pas besoin d'avoir Twitter, tu peux le lire, c'est un truc public. Merde. Bon, peut-être que pour ma voix ça ira mieux quand je vais éteindre la PS3. La prochaine c'est la bonne. J'arrive pas à voir mon agresseur, c'est dingue. Où est-ce qu'il est le mec? Ma manette est rechargée. Attends, je vais essayer de bouger parce que là je comprends pas. Ah non, il m'a eu. J'ai pas trouvé mon adversaire. T'imagines si le Wizbot il répond des bêtises ou il est bien. Pervers. Je ne sais pas, peut-être que ça va changer un truc pour ma voix maintenant que je vais arrêter OBS pour tout le temps. Non, parce que oui, je plaisante le fait de dire comme ça, j'en ai profité pour faire une tournée de sens. Il est là! Souffle! C'est ça, ouais! On se met à chaud. Bonjour Pierre Troutman, comment ça va?
Ah, et je m'éclate en Afrique. Bonjour Pietro Pan. Salut Pierrot. Oh, ils vont me bouffer toute ma pharmacie. Ah, je l'ai vu. Est-ce que je suis un piou-piou? Est-ce que cette question me concerne? Ah, ils m'ont abattu avec classe. Ça va et vous, mes piou-piou? Ouais, ça va bien dans l'ensemble, merci Pierre. Debout, 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 on se bouge, et tout de suite. Allez, mon coéquipier! Rambo! C'est la guerre! C'est la guerre thermonucléaire! Merci pour le lien, fan. J'ai parcouru en diagonale, long, rapidement. Il va me mettre oui, des bases, voilà, c'est ça. Il nous dit les conversations. C'est ça. Impressionnant, hein. Ok. Il te dit d'être mal. Comment il y a encore des hostiles. Vérifie tes munitions. J'aurais jamais eu le problème de droit d'auteur. Merci mon coéquipier. J'ai tiré sur mon coéquipier. Oh le con. Oh. On rembobine. Je suis très bisou aujourd'hui. Ah bah il y a des gens comme ça. Il y a des alertes roses. Des moments tendresse. On a besoin d'affection. Chaleur humaine. C'est ça. Il est à nous. Allons-y. D'amour ou pas? Chanson d'amour. Chapagapaga. C'est très vite ton coéquipier. La la la. La 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 la. La 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 la. Chanson, chanson d'amour. J'ai pas signé pour ça. Alors, quand ça castagne, est-ce que tu nous entends, le sage? Bah, pas toujours. Parce que parfois, il y a tellement d'échanges de coups de feu que malheureusement, ça couvre un peu. Pardon. Mais je tends l'oreille. Ces sons sont excellents. Continue, merci. Très cher, merci. J'aime bien comment il essaie de m'arraisonner mon coéquipier, c'est excellent. Je vous demande de vous arrêter. Non, je vous demande de vous arrêter. C'est lui là. Hé mec, t'es mal là, fais quelque chose. Oh le bordel. Mon dieu, je suis choqué. C'est, en fait, c'est dans le jeu Far Cry le bruit que j'ai entendu en dernier. Hein. C'est pas moi. Le mieux, c'est de le mettre au moment où t'as un personnage de dos. Il est bête. Excellent. Ou comme le fait dans GTA Vice City. Ça fait beaucoup de temps. Ewana. Et là, le chat est en chute. Le chat. Ça marche aussi. Excellent. Ah, il est plus long celui-là. En passant par la Lorraine avec mes sabots, dondaine, en passant par la Lorraine, oh,
avec les sabots. En passant par la Lorraine avec les sabots. En passant par la Lorraine avec les sabots. Avec les sabots, mon belle, en passant par la Lorraine. Oh, avec les sabots. Alors, t'entends Pierre Troutman, c'était un essai, ça, en tu vois. En passant par la Lorraine avec les sabots. En passant par la Lorraine avec les sabots. Avec les sabots, mon belle. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour en faire une version techno. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots, mon bébé. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Peut-être un jour, je la retenterai. J'essaierai de la faire au complet. On verra. Elle est feuillue, hein. Mais il y a quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de... La version officielle est là. Ouais, pourquoi pas. Moyen ouais, de version Newbeat à voir. À l'occasion, peut-être que je m'y remettrai. Alors, la chanson, c'est en passant par là avec mes sabots, une fois, rencontrer trois capitaines avec mes sabots, Tonden, oh, 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 avec mes sabots, ensuite rencontrer trois capitaines. Ils m'ont appelé vilaine. Ah bon, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine, puisque le fils du roi même... Il m'a donné pour une étrenne un bouquet de marjolaine. J'ai planté, que j'ai, je l'ai planté sur la plaine. S'il meurt, je serai reine. S'il meurt, je perds ma peine. Avec mes sabots, Tonden, oh oh. C'est sympa. Oh, oh Pierre, oh t'es terrible. N'importe ah. quoi. Oh. Aïe aïe aïe. Ouais. N'importe quoi. Ah, c'est mieux 2220. Navré de vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf si Nash est de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. On n'a pas de son de fouet, désolé. On a des sons de paix, par exemple, dans le Discord, éventuellement. Voilà, merci. Ça, c'est le sage qui a chuté moi. Excellent. Ah là là. Mais quel bordel. Moi j'aime bien celui avec Ricky quand quelqu'un dit une bêtise, ou alors sinon quand il se trompe. Oui, qu'il se prend avant. C'est une bonne blague. Ah, l'armurerie. Ah, le rire dans le... Ouais. Je vais reprendre mon buggy que je vais réparer et je vais me barrer à l'armurerie dans mon jeu, moi. Merde, mon coéquipier il m'a fait peur. Coéquipier, tu montes, je t'embarque, on va à l'armurerie, ça te dit? Non, il s'en fout. Bon, bah, j'y vais sans lui. Attends, je prends pas la bonne route, moi. Si, je prends la bonne route. Ce sera la prochaine à droite, si j'ai bien lu ma carte. La prochaine à droite. Oh, t'es fracassé, Nashelman? Ah, mince. Bah repose-toi, non? Bah oui. Oh, je me fais allumer par des couillons. Je vais même pas pouvoir atteindre Pénard l'armurerie. Vous allez voir qu'ils vont me poursuivre. Tiens, c'est là d'ailleurs que ça se passe. Ils m'ont poursuivi ou pas? Je repose la question à Wisebot. Non, ils ont lâché l'affaire. Et tu? Je pense que ce soir, je me couche tôt. Ouais, bah te force pas, Nash. Sinon, tant pis, tu te regardes le... Ah bah non, j'allais dire, tu te regardes la rediff du concert de... Mais non, forcément, il va supprimer Poupon. Sous peine de se faire poursuivre pour violation de copie. Ah... Allez, sauvegarder et continuer.
Ah. Bon ami, que dirais-tu d'un petit arrangement? Il y a un homme qui va ramener un stock d'armes de dernière catégorie de l'Est. Détruis son stock forcer, et je te trouverai quelque chose d'exceptionnel pour la prochaine fois que tu viens m'acheter un truc. De toute façon, tu te forces, au pire, tu vas t'endormir devant ton écran, c'est pas... Ah merde, j'ai oublié le live de... Ah, ok. Il a dit qu'il le faisait à 22h, mais moi je lui ferai un relais de chaîne. Je lance les bibis d'ici 2h à 21h, et puis à 22h on lui fait relais de chaîne pour suivre son concert. Oh, je peux déjà commander le lance-roquette pour 20 diamants. Énorme. Le lance-fusée est pas mal non plus. Le lance-fusée stratégiquement peut être terrible. Ah. Fusil d'assaut, ouais. Lance-roquette, ça fait cher, mais c'est rigolo de pouvoir et d'exploser un max de monde. Off, ouais. Non, je vais voir. Attends, je vais peut-être pas me vautrer sur le. Je vais peut-être attendre de récolter davantage de diamants. Fusil de snipe, amélioration de fiabilité, de précision. Ah ouais, je veux bien. Précision et fiabilité pour le snipe, ce serait génial. Jeep, gros camion. Ah, amélioration de réparation des gros camions. Ah, je vais attendre aussi. Je vais essayer de pas trop défoncer trop vite mon fric. Alors, ceinture, pistolet, sangle, sangle de grenadier. Ah, pour avoir un max de... Bandoulière, fusée, sangle d'assaut légère, pistolet pour avoir plus de balles. Ouais, ou alors sangle d'assaut légère. Pour avoir plus de balles aussi. Ouais, pourquoi pas. Wow! Wow, sacrée note de frais. Je vais payer 30 diamants. Et la cloche! Waouh, je vais aller chercher mes nouveaux joujoux. La 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 la, mes nouveaux joujoux, ils sont là. Mes joujoux. Nouveaux joujoux. Enfin, joujoux améliorés. Fusil à pompe. Prout. Ah, qu'est-ce que je fais? Je prends le lance-fusée, du coup. Pour changer du 9 mm. Pourquoi pas? Alors, ça nous fait... Bon, la machette, forcément. Le lance-flamme. Fusil de snipe. Magnifique. Le lance-fusée. Je vais vraiment faire mon pyromane. Snipe et flamme, c'est ça. Je suis snipe et flammer. Ah, j'ai un convoi à faire péter. Ça va être plaisant, ça. Eh ben, c'est parti, mon kiki. On va se mettre en route pour débusquer le convoi et le faire sauter. Bon app. À tout à l'heure, Nashman. Bon appétit. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait des mecs hostiles. Oh la vache. Oula, rouler sur la voie ferrée est pas une bonne idée. J'ai fait n'importe quoi. Ah mince. Oh, Pierre Troutman, qui s'adresse direct à Nash, tu vas bouffer quoi? Très trivial comme demande, là, pour le coup, d'avoir annoncé formulé. Qu'est-ce qu'il va m'y amener, Nashman? Des crottes ciblées, deux. Et je ne dirais pas de mal. Je vais te faire un peu de mal.
possible à cette là. Du reblochon. Du reblochon. Oh la vache, carbonisé tout. C'est ça. Oh, ça marche bien. Carbonise sa propre voiture. Oui, c'est pas grave. Ça fera un peu gros boom. Va... Le... Ah, il y a un mec là-bas qui court. J'ai un fuyard. Non, mais ça brûle toute la fenêtre. Ah, il m'a abattu. Bien joué de sa part, il a gagné le duel. Faut appuyer les papiers là, t'as foutu le feu. J'ai perdu le duel. Bonne soirée à plus. Salut. Merci d'avoir été là, Nayonet. Bon samedi soir. Je fais de la mouise. Je l'avoue, je joue très mal. Faudrait que j'essaie de me la jouer un peu plus pro quand même. Là, je fais le truc clownesque, bourrin à la Rambo, mais ça paie pas en fait. Surtout en difficulté quasi réelle. Attends, j'ai l'impression que j'ai accès à leur bâtiment d'ici, je me trompe. À la lunette, je pourrais presque les dégommer de là. Presque. Presque. Bon, je vais rester derrière l'arbre. J'ai vu un truc se barrer, mais je crois que c'était un animal. Je suis pas sûr. Ah, ou c'était un mec? Non. Oh, il est blessé le mec, mais encore plus loin. Vache. Là, ça va causer un incendie, ça va être intéressant. Merde. Oh, j'ai réussi à abattre un mec. Oh, trop fort. Je suis parvenu alors qu'il était à plein gaz à abattre le mec au volant. Je suis trop fier. Trop la classe. Excellent. Oh, on voit un téléviseur avec la lunette. Oh la vache. Oh là là, la savane qui est en train de flamber au petit matin. Je pense pas que j'ai de la résistance. Ça. Ah si, merde, j'ai rien dit. Mauvaise reconnaissance, faute. Il y a encore du peuple. Ou je sais pas, mais il y a encore du peuple. Ah, là-bas.
Bien joué, le gars. Il a failli m'avoir. Très, très bien joué. Oh, je pense honnêtement que c'était le dernier. C'est là où vous allez voir que je vais me faire abattre comme un chien. Ça va être l'horreur. L'horreur de la guerre. S'il m'agresse, je le finis à la machette. Violence. Je reviens, je pense que je dois redémarrer le PC. Ah d'accord, bon, redémarre le PC, à tout de suite. Okidoki. C'est la violence, c'est la violence. Mmh. Mmh. Papa, tireur d'élite, un peu comme moi dans les clubs échangistes. Oh. Mais franchement, j'adore l'ambiance africaine. Far Cry 2, j'ai un coup de cœur particulier pour cet opus. Bon, vous me direz, je connais que les trois premiers Far Cry en vrai, mais le 2, je le porte haut dans mon cœur pour l'ambiance, la narration aussi. Alors, qui est particulière. J'ai eu un long débat avec mon neveu qui m'avait dit « Oh, Far Cry, je comprends pas tonton que tu l'aimes, il est nul, machin. » Et quand je lui ai expliqué qu'il faut récolter les cassettes du chacal et les écouter pour avoir l'arc narratif principal, c'est vrai que l'ambiance, l'atmosphère est tout autre. Ça prend... Enfin, bon, voilà, quoi. Mais c'est peut-être le choix de la narration fait par les développeurs de l'époque qui était peut-être pas la plus judicieuse. L'idée de partir en collectionniste des enregistrements audio. Mais bon. Alors, je suis censé péter un convoi. D'ailleurs, du coup, je vais arrêter avec mon buggy et je vais prendre une Jeep classique pour défoncer le dit convoi. Serait par là-bas. Merde, non. Ah, il y a un diamant tout proche. Il y a cette carcasse de bagnole. Dans l'eau? Non. Non, c'est pas dans l'eau. C'est quoi ça? Ah bah! Quand je parlais des anges trop longs du chacal. En v'là un. Voilà une cassette audio. Les faire rentrer, c'est facile. Je les ai emmenés de l'autre côté de la montagne, peu importe. Le plus difficile, c'est de les faire rentrer à l'intérieur du pays. À chaque fois, faut soudoyer ou tuer quelqu'un, c'est mauvais pour les affaires. Non, une fois à l'intérieur, on cherche à s'en débarrasser le plus vite possible. On laisse le client se débrouiller. Comment il transporte la marchandise? J'ai livré 300 kilos de C4 à M'Bantoué il y a 6 mois. Il s'est pointé avec une douzaine de cadavres de ses hommes. Il a planqué le C4 dans les cadavres. Il s'est dit que personne ne voudrait les fouiller. C'est un malin. Technique guerrière. La 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 la. Alors, est-ce que je peux couper à travers champ? Le chemin piéton me le suggère. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Bonjour, monsieur. Merde, mais je vais pas revenir dans mon véhicule. Ah, ah bah, c'est du joli. J'arrive pas à relire mes archives, enfin, à revoir le live qu'on a fait, je sais pas, et même d'autres lives. Ah bon? Plus de soucis pour lire les archives sur Twitch. Ah, t'as peut-être une mise à jour Windows qui aurait merdé, ou ton navigateur. Essaye de provoquer la mise à jour de ton navigateur internet, FunFan.
On va peut-être résoudre le problème. Pas de diamant. Bizarre. Ah, il y a un poste de vigie à récupérer pas loin. Pourrait m'intéresser ça. Mais non, c'est de la douche. Je comprends pas. Ah, j'ai un débris qui m'empêche de... Voilà. Ah, il y a un pont. Est-ce que je peux... non, le véhicule aime pas. Ça grimpe trop. Non, je vais laisser tomber le véhicule ici. Je vais abandonner le véhicule ici, je vais essayer de tout faire à pied. Ça sera mieux. Il y avait des diamants pas loin, mais... Les diamants sont tout proches. Ils sont peut-être sur la formation rocheuse. Attends. Bizarre. Il y a bris de glace, ça va entraîner un malus. Bon, pour le pauvre. Attends, où est la mallette de diamants? Ah mon dieu! J'arrive pas à trouver les diamants. Sous le pont? Ils sont sous la voie ferrée? Non, déconne pas. Comment je descends sans me casser la figure, moi? Ah ouais, les diamants sont bien sous le pont. Avec un gars qui s'est fait liquider. Deux petits diamants. Deux. Bonjour, ça te prie. Aïe, 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 attention à la descente. Bizarre, cette configuration. J'aime pas trop. Où est-ce que ça mène? Si je prenais le risque d'y aller à pied, c'est pas la mort, non? Je vais peut-être y aller à pied. On va voir. Moi, je suis partant pour une petite promenade dans la savane. Dans les poches de l'Erichkar Destin aussi. Ouais, c'est vrai. Oh, cette affaire à l'époque. Oh, ça, avec les statuettes, là. Oh là là, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Mais la dernière affaire de politique rocambolesque qu'on ait eue en France, et c'est quand même un summum, c'est avec notre président actuel et le jeune là qui était son protégé, qui était son chef de police, Benalla, Alexandre Benalla. Et mon, alors pour tout vous avouer, mon humoriste favori c'est Christophe Alévèque. J'adore ce garçon. En général, quand il traite une affaire française qui fait un sketch, au maximum, son sketch dure un quart d'heure. Benalla, tous les épisodes qu'il y a eu, il n'y avait qu'à suivre et à noter historiquement ce qui se passait. Le sketch sur Benalla dure plus d'une demi-heure, presque 40 minutes. C'est tellement dingue l'histoire. Surtout de la manière dont la pelote de laine s'est déroulée sous nos yeux dans les médias, au fur et à mesure qu'on tirait sur le truc, il y avait plein de trucs qui venaient. Hallucinant. C'est limite si l'affaire Benalla est pas devenue un spectacle one man show à lui tout seul, de tellement que c'était énorme et qu'il y a eu plein d'épisodes. C'est... Pff. Enfin bon. Mais je vous l'avais déjà dit, il y a les... C'est un tonneau d'explosif, ça, ce serait énorme. Non, c'est pas un tonneau d'explosif. J'abuse. Les scénaristes américains à Hollywood, ils ont dit, mais écoutez, vous les Français,
Vous avez des histoires tellement dingues au niveau de vos, de la politique de votre pays, qu'on s'inspire vachement de vos histoires en vrai pour créer nos scénarios de fiction pour la télé. Donc, c'est dire à quel point on est renommé pour les scandales politiques. Oh, j'aime bien comment se dessine la... Au moins un truc la flore. Pas aux autres. Oui, Fun. Au moins un truc qu'on ne pique pas aux autres. Ah oui, quelque chose qu'on pique pas aux autres. Oui, bah oui. Il faut bien passer. Attends, je suis en train de me perdre dans les carrefours là. Il y a tellement de trucs à faire que. Surtout l'argent de Macron planqué pour sous-estimer son patrimoine et ses trusts. Ouais. Bon. Pour changer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, c'est le pont du... de la voie ferrée. D'ailleurs, je serais peut-être bien de passer sur la voie ferrée. Ça serait peut-être plus judicieux, non? Parce que si un véhicule se met à débouler à plein tube, je me fais dégommer. Oh, il y a du monde là-bas. C'est quoi là-bas? Ah, c'est un poste de garde. Ah, intéressant. Oh, j'ai envie de la tenter. J'ai un tonneau d'explosifs en visée. On va voir si ça marche. Ah, je vois un mec. Je l'ai abattu. Il n'y a pas plus de mouvement. Bon, faut dire que ma vue est pas top top. Mais je vais essayer d'aller sur le rocher, là. J'aurai une bien meilleure vue pour les dégommer. Ah, là, c'est une place de choix pour un sniper. Il faut juste que j'ai pas le soleil dans la lunette de visée. Ah, ils ont une bonbonne de gaz. Ça va m'aider à semer la panique chez eux. Il n'y a pas de mouvement, j'ai pas l'impression qu'il y ait du mouvement. Il y a d'autres personnes ou pas? J'ai pas l'impression. J'entends rien et je vois rien, à part les animaux évidemment. Mais... c'est bizarre. Vraiment bizarre. Je vais pouvoir réquisitionner sans résistance le poste de contrôle. Ce serait surprenant. Bizarre. Bon bah je vais pas attendre 3 plombes non plus, hein, je vais y aller. Bizarre. Alors, je vais essayer de descendre sans me casser une jambe. Ce qui est pas gagné. Pardon, ça va. RAS. Vraiment rien à signaler. C'est trop bizarre. Ah, là, il y a du monde. Je me disais aussi... Merde! Ah, il m'a eu. Dommage! C'était bien tenté, mais dommage, ça a échoué. Je vais me faire du glouglou, là, j'ai plus à boire.
Alors attendez, je vais aller d'abord sur le rocher. Je vais foutre le feu chez mon ennemi et le temps que ça flambe, je vais aller me faire du glouglou et reprendre l'action après. Parce que je doute qu'il me repère de là où je suis. J'en doute vivement. Ah, il y a un loustique là-bas qui bouge. Ah bah tiens, il y a une Jeep qui passe. Magnifique. Le mec, je l'ai eu comme une fleur. Ah, génial. Bah c'est bien, au moins la Jeep va faire barrage. Hop là. Wouhouhou. Wow, ça va bien flamber. Là-bas aussi, ça va bien flamber. Hop. Le temps que ça crame, je vais aller me faire un glouglou, je reviens dans 2 minutes. Je vous laisse admirer le spectacle. Alors, hop. Ouais, glou 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 glou, j'ai soif. Alors, hop là. Voilà. Je vois que l'incendie s'est éteint. Alors attendez, je remets mes écouteurs pour vous entendre dans la vocale. Ouh. Alors, est-ce que je vais pouvoir approcher de l'endroit sans me faire allumer? Alors il y a le mec qui est sous le pont. C'est la fête, Chaga Africa, ambiance de la bouche, Chaga Africa, attention les secousses, ça va faire boum, je vous le dis moi. Le mec, la main dans la flotte. Chaga Africa. Stratégiquement, c'est vachement bien joué d'avoir le... Je me disais bien qu'il y avait un vigie près de la rivière. D'avoir le véhicule que j'ai snipé en plein sur la route, ça évite à ce qu'il y ait un fou furieux qui arrive à pleine berzingue. Ça fait barrage et c'est parfait. Merde. Oh, je savais pas qu'il y avait du... Ah. Il bouge trop. Mais je l'ai eu. Ah, intéressant. Il y a du matos par ici. Ah, je serais surpris qu'il y ait du peuple là. Ouais, je pense que j'ai gagné la guerre là.
Enfin, la bataille, du moins. La guerre, c'est abusé. Ah, même les branches qui sont... Oh, c'est une geôle. C'est une geôle. Ah, il pourrait y avoir des prisonniers, ici. Troublant. C'est troublant. Vous avez vu le bateau? Vous croyez que je le snipe? Merde, je l'ai attiré en tout cas. Je crois que je l'ai eu. Il bouge plus. Merde, la malaria. Si, il bouge. Ah, je l'ai eu. Manque plus que la perruque avec les dreadlocks. Ouais, Rastafari Sista, ouais. Oh, c'est limite si le... Oh, il y en a un autre. Ah, je vais me faire tous les navires de la rivière. Allez. Vous avez vu? J'ai fait gicler le snipe. Oh, c'est trop la classe. Je les ai eus. C'était le petit bonus. Je me suis fait deux mecs en pirogue motorisée. La violence. Wouh! Eh ben, ça défoule bien. Ça défoule bien. Ah, les bateaux, ils sont bien fumants, là. Visiblement, il y avait du matos sur la rive opposée. Et je vais aller voir ça. Bon, on va pas se voiler la face. Faut se l'avouer, j'ai remporté un véhicule. C'est cool. On va continuer de se promener. Alors, j'ai un fourgon qui se promène, mais alors... Pour l'atteindre et le faire sauter, vas-y. Apparemment, le convoi est en face. Arriver par véhicule, j'y crois pas. Slaughterhouse. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oui, il y a du monde. J'ai liquidé un homme. Alors c'est là où mon lance-fusée, s'il a de la portée, pourrait s'avérer être intéressant.
Mais je suis un peu loin quand même pour les faire flamber. Mais je vais éviter d'approcher en voiture. Bon, je me tiens encore debout, mais je vais pas tarder à me mettre à genoux. Et dans cette jungle, c'est vachement pratique d'avoir les points de repère comme les voies ferrées. Hop, lui il est mort. Je sais pas s'il y a un autre loustique quelque part. J'ai pas l'impression. C'est là où je me rends compte que les gars étaient innocents, tu sais, ils auraient pu être accueillants, mais hop, je les abats comme des... Ah, ce serait une boucherie. Ouais, je prends le lance-fusée avec moi. Apparemment, il n'y a pas grand monde. Ça a l'air bien vide par ici. Merde, je fais du bruit avec le tonneau. Oh le con. Oh, il y a un gars là-bas. Merde. Ils m'ont repéré. Pas les Rambo, toi. Toi non plus. Bah, je crois que j'ai gagné cette bataille là aussi. J'ai gagné. J'ai gagné. Bon, bah c'est cool. Étrange quand même cette boucherie improvisée dans la jungle. Il y a des installations qui sont troublantes, on va dire. Parce que là, on est perdu au milieu de nulle part. Hein. Bon, la voie ferrée, d'accord. Mais quand même. Ou alors, ils ont mis stratégiquement la boucherie. Ah bah, ça va, ils font du carpaccio, les gars. Ils ont mis la boucherie le long de la voie ferrée, loin de la population, histoire que ça sente pas trop mauvais. Et puis l'odeur de sang doit attirer les animaux sauvages, etc. Donc ça doit être dangereux. C'est peut-être pas plus mal, mais bon. Ah. Ah ouais, pas mal. L'installation en dur est pas mal du tout. Wow, il y a de ces trucs. Eh ben, hein, je peux sauvegarder si je le souhaite. Sauvegarde, je suis heureux de ce que j'ai fait. Sauvegardons. Tadidadadadon. Bon. C'est bon pour le moral. C'est bon. Ah ouais, quand même. Oh là là, le convoi qui est à l'autre bout du pays. Comment veux-tu que je rattrape le convoi d'explosifs? Oh. Dans une heure, je suis encore en train de le courser dans la jungle. Parce que j'ai plein de points de contrôle à déverrouiller, moi, du coup.
Qu'est-ce que je fais? Je prends une voiture de civil ou je prends une voiture militarisée? Peut-être prendre une voiture militaire. La bonne vieille Jeep va sûrement m'aider. Alors attends, au niveau des, de la carte. Je peux essayer de libérer un point de contrôle tout proche, près de Palas. Stratégiquement, ce serait pas mal. Mais l'idée de couper à travers la ville centrale me déplaît. Encore que non, je dis ça, je pourrais vite rejoindre un autre point de contrôle stratégique où il faudrait que j'impose ma loi, que je puisse réquisitionner. D'accord, je me fais déjà allumer. Waouh. Wow! Redoutable, mec! Je m'attendais pas à me faire allumer de la sorte. Violos! Eh bé. Oh! Eh bah, dis donc. Attendez voir. J'avais pas une... une bouteille de flotte dans le jeu pour récupérer un petit point de vie, non? Je sais plus. Bon, allez, tant pis. L'aventure, c'est la même tour. Allons-y. Ah, ils me voient de loin, les salopards. Faut quasiment que je leur tire dessus d'ici, en fait. C'est quand même fortiche. Merde, j'arrive même pas à monter sur le véhicule. Alors, snipe. Ah, je vois du monde là-bas qui bouge. Mais la végétation ne m'arrange pas du tout. Ah, je l'ai abattu. Ouais, c'était bien un mec. J'avais vu juste. C'était bien, mec. Alors, ce que j'adore à distance, c'est les tonneaux d'explosifs. Histoire de foutre le feu, c'est génial pour les obliger à bouger. Ça sème une panique d'enfer. J'avance un peu avec le véhicule, à mes risques et périls. Rien de rien? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Si je fais un repérage. Ah ouais, d'accord. D'après lui, je l'ai déjà perquisitionné. Ok. Non, pas la tourelle. Pas besoin. D'après lui, j'aurais gagné la bataille là, mais non. Ils sont pas très nombreux, les mecs. Ah. On se moque de moi. Alors là, c'est un poil idiot. On va dire que le mec était tétanisé de peur. Il n'en revenait pas de mon professionnalisme. Même le chacal ne fait pas aussi bien. Brr.
Et ben voilà, je l'ai retrouvé, mon point de vie. Alors, le convoi... Ah ouais, il faut que je traverse la ville. Oh, ça, c'est pas... C'est pas top, mais il faut bien. Il faut bien. Alors, je rappelle que la capitale qui est pas là, je crois, là, il y a un cessez-le-feu. Donc, j'ai intérêt à y aller mollo, à montrer patte blanche en traversant la ville en bagnole. Sans quoi, je vais me faire allumer joyeusement. Alors, déjà, je vais me calmer au niveau de la vitesse. Bonjour, messieurs, dames. En espérant que vous alliez bien. Moi, je me fais une joie... d'aller par là. Merde. Oh, je sais même pas tourner avec la Jeep. Là que je percute la maisonnée, la petite maisonnette, là. Oui, ça c'est une voiture de civil. Alors, il va falloir que je... Je crois que je vais avoir droit à de la résistance. Je crois. Hein. La carte me dit quoi? Que théoriquement là, il n'y a rien du tout. Bon, bah j'espère que la carte dit vrai. Pas de point. Merde! Oh, c'est rocher à la noix! Donc là, je tourne à droite. Encore un pont à traverser. Un moment, on fera une remontée du fleuve au complet. Ce sera classe. Ça vaut son coup d'œil de passer par la rivière. Le pays a un charme fou. J'ai normalement une planque à déverrouiller. Excusez-moi. Personne? Merci, Christella. Honneur au tien. Oh, il y a eu du bol, le mec. Merde, y en a un autre. J'arrive, où est-il? Il est là-bas. Fais gaffe. Attention, tir ennemi. On le tient, il est là-bas. Oh, merde. Ah, joli. Il m'a contourné sans que je m'en aperçoive. Je me suis fait avoir. Très bien, il m'a très bien contourné. J'ai même pas soupçonné qu'il y avait un gars qui pouvait me prendre de revers. Ah, très très bien. Tout est bien. C'est ça qui est bon. Va falloir que je revoie mon assaut. Bada bada bom bom bim boum boum bidi boum boum bidi bidi boum. Chic et boum, chic, chic et boum. Je vais laisser ma bagnole au beau milieu de la route. Oh, des renoms d'un. Ah non. Non, non, non. Je suis trop... Trop Rambo. Ça va pas.
C'est limite, si je voulais réussir mon attaque surprise, il faudrait que je leur balance la grenade par-dessus la colline, là, et que ça atterrisse dans le coffre de leur Jeep. Histoire que ça pète bien. Là, pour le coup, l'effet de surprise serait monumental, avec en plus un possible incendie de la cabane. Et là, ce serait un assaut, mais alors d'une violence rare, mais l'efficacité serait là. On va voir, je vais essayer. Je vais la tenter. Voilà, si je sauvegarde là, hop, et que je fais ça. Est-ce que ça marche? Ah non. Oh! Ah ouais. Voilà, terminé. Ok. Évidemment, mon équipier était là. Ah non, il est pas là, tiens, pour une fois. Ah si, je suis là. Bien vu, Fat Fan. Bravo. Excellent. Faudrait que je leur travaille un peu le son de la flûte qui sature là. Il faudrait que j'atténue un peu parce que ça sature, c'est dommage, ça gâche le truc. Faudrait que je refasse ça à l'occasion. Je sais pas si j'ai un bug, mais ta barre elle est restée bloquée à 17h38-24. Ah, ça c'est peut-être parce que j'ai mal rafraîchi mon. Quand j'ai basculé tout à l'heure pour vérifier les voix sur Discord, j'ai peut-être cassé, tu fais bien de me le dire. Faut pas hésiter d'ailleurs à me le dire parce que l'horloge elle est pratique pour vous, mais elle est aussi pratique pour moi. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire un relevé, tu sais, sur le papier. Tiens, il y a un clip à faire à ce moment-là. Toi, tu mets des C dans le chat, ce qui est pas mal. Hein, chacun sa méthode. Mais moi, j'aime bien noter sur un papier, me griffonner le fait que il y a à telle heure, telle seconde, il y a eu un truc, quoi. Chacun sa méthode. Là, normalement, c'est rétabli. Ah bah bonjour à Oscar Skapak, s'il est là. Non, il est pas là, mais... Non, il vaut mieux faire ses propres trucs. Ah bah avec la session camion hier chez Christella, je lui ai dit, Oscar Skapak, t'as du boulot. Hein. Il a 7 heures à revisionner et à mon avis, il est parti pour faire une vingtaine de clips. C'était la folie hier. C'est bien. Alors la suite c'est quoi? Ah mais j'ai un poste contrôle à... Merde, il est encore en vie. Où est-ce qu'il est? S'il bouge, il est mort. Je pense qu'il va essayer de me contourner. Non, il serait mort. Donc, tu as Christella qui vient de passer au niveau 130, Bergman au niveau 33, et Nash au niveau 100, tout rond.
C'est-il pas beau? J'ai gagné. J'ai gagné. Alors, ce convoi, il est où? Je finirais bien par abattre le convoi de d'armes, c'est pas possible. Faudrait que j'aille par là-bas. Faudrait que j'aille par là-bas. Alors, quelle direction? Mokuba. Une compagnie. Oh, il y a de l'industriel par là-bas. Merde, il y a un diamant qui est proche. Il y a un diamant qui est tout proche. Où ça? Ah. La formation rocheuse aurait-elle un secret à nous dévoiler? Bizarre. Ils y ont abattu des arbres. Est-ce là une coupe réglementaire? Telle est la question. Ah, je comprends mieux. Et un joli caillou. À moi le. On dirait. C'est vrai que vu comment ils le font et comment ils sont modélisés les diamants, j'ai l'impression de plus de voir du quartz que du diamant. Mais bon. Bonjour Gabriel. Ah, je parlais de toi il n'y a pas 15 jours en me disant tiens, je serais bien content de te revoir. Comment vas-tu? Salut. C'est FunFan que t'entends, mon modérateur à la voix. Oh. Ouais, ça va bien. Bon, moi j'ai la bonne pêche, merci Gabriel. Alors, ah, j'ai rattrapé le convoi. Qui vient vers moi d'ailleurs. Attention, il va y avoir du sport. Envoyer le lien du Discord, j'ai un problème avec l'ancien. Ok, tu fais point d'exclamation Discord et tu vas pouvoir te connecter, t'en fais pas. Je me barre, ça va péter. Si quelqu'un a lancé une attaque là-bas, il a des alliés qui vont lancer une attaque ici. Ah d'accord, ils sont là. Bon. Dépêche-toi. Hop là. Bah, je fais mon Far Cry 2 que j'adore jusqu'à encore une heure en gros. Et vers 21h, on fait les bibis, on fait du marble en stream. Et je rends mon antenne à 22h chez Coupon.
Poupon, il propose un concert de je sais pas quel groupe, généralement c'est du rock. Donc une soirée sympa, tu vois. J'arrive pas à voir qui me tire dessus. Pas. Ils arrivent à me tirer dessus. Je vais le contourner jusqu'à sa position. Je te garde en visuel. En visuel, si tu peux, mon gars. Ça sent mauvais. Il faut aller. Attention. Là-bas, il est là. C'est un bon début. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh oh oh, il est venu à mes pieds, lui. C'est bizarre, parce que sinon, je les vois pas, les gars. C'est ça qui est mal. Ils arrivent à se faire la causette alors que c'est la guerre là. Ouais, il m'a eu. Je me fais trop arroser, je me fais trop saucer. Il y a du renfort hein, pour ce qu'on voit. Bon appétit, à tout à l'heure, Gabriel. Bon appétit. Ah ouais. Nathalie Drake, je m'appelle Nathalie Drake. Il y a Gilbert Lévy que je adore. Oh, je me suis fait abattre. Oh, je pensais pas. Oh, c'est beau comment il s'agit. Ah, il y a Benoît Allemagne ici. Il y a. Tiens, là, Alain de Garby, il n'y a pas de. Il y a quelques beaux castings dans la VF. Ouais, c'est bien. Mais à un moment, c'est ce que tu disais avec Lara Smoket quand elle était là sur je sais plus quel jeu. Bah, je crois que c'était Dying Light. Vous disiez au niveau des voix françaises, il y a un casting de rêve, quoi. Il y a plein de beaux doubleurs. Ron Achevman, j'espère que tu as mangé à ton appétit. Ouais, j'ai entendu un peu notamment chez Twitter, oui. Il y avait Benoît Dupac, notamment, qui faisait la voix du héros. Il fait la voix dans R6 et de Chris Nivan. Ça peut se parler un peu. Léo dans Charmed. Pour une génération, on va dire. Après, il a fait diverses séries, tout ça. Pour les autres, oui, apparemment, il y avait la voix de Shannon Moore, alias la voix de Red Gun Pong, The Rock. Le début des pilotes. Ouais, bon appât, Gabriel. Je sais plus c'est quoi l'émission pylône dans Far Cry 2. Il faut que chez toi tu règles l'éclairage, là c'est complètement dans le noir. Hein. Ah oui, je m'en rends pas compte, il faut me le dire ça. Merci, Fun Fan. Faut pas tout surprendre.
Je m'en rends pas du tout compte. Attends, je vais fermer mes volets, allumer les lumières artificielles et me refoutre l'éclairage à point dans la tronche. J'en ai pour 2 minutes, même pas 1 minute, j'arrive. Petite lumière d'appoint, tagada-tchouin-tchouin, la voix la lumière de Pouinx. Attendez, hop là, non. Voilà, comme ça normalement vous me voyez bien éclairé. Je vais remettre les écouteurs que je puisse vous entendre dans la vocale. Je vais boire un coup aussi, c'est important de se réhydrater. Voilà. Bah tiens, on va entendre la mission qu'ils ont à me proposer au niveau du pylône. Contrat sur la tête d'un mec. Dans la ville? Mais il y a un cessez-le-feu. Mais il est fou, lui. Il met un contrat sur la tête d'un mec qui est en pleine ville où il y a cessez-le-feu. Je vais me faire abattre comme un malpropre. Ouh. Oh là 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 là. Faut que j'aille à Pala dans la capitale. Je vais y aller sans véhicule. Tant pis, je prends le risque. Encore que c'est peut-être loin, non, à pied. Oui, c'est loin à pied. Je vais prendre une voiture. Je suis ambitieux. Oui, mais il n'y a plus de véhicule. J'ai tout fait sauter, moi. Il n'y a plus que des carcasses ici, non? Ah oui, j'ai tout fait flamber. Ah non, il y a une bagnole là-bas qui est intacte. Bon, bah, je vais me contenter de ça. Ok. Oh, le con. Le véhicule était gardé. Ah, bah, merde alors. J'aurais dû le réquisitionner. J'ai fait n'importe nawak. Ouais, je cours sur le mec et hop, machette, quick. Je pense honnêtement qu'il y a moyen. Ou pas. Salut. Ah oui, je suis mort. Merde, il y en a un deuxième. Bon, bah, je vais être obligé de les sniper, les gars. C'est pas drôle. Et merde, s'il va dans la cambrousse, je vais le perdre de vue. Oh, bah, non, j'ai flingué le véhicule. Oh là 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 là. Allez, c'est terminé. Mais non, mais crotte, mon moyen de locomotion. Oh. Salut. Merde. Oh, il a tiré sur ma réserve de lance-flammes. Du coup, ça m'a neutralisé. Oh. Vachement réaliste. Ça, par contre, je me souvenais pas l'avoir vécu, vous voyez. Alors, l'autre, il est où?
c'est là. Merci. Alors, moi, je vais aller dans la capitale. Bon, espérant que le radiateur me lâche pas. Un petit coup de chaud, la Jeep. Un petit coup de chaud. Merde, le moteur est en train de me lâcher. Merde. Africa, Dieu. Bon, Africa. Où chante jour bleu du Conanica. Allez, je vais aller à Palade, mais arrêtez de me tirer dessus. Oh là là là. Oh, génial, je me suis fait abattre. Je me suis fait abattre. C'est moche, c'est moche. Je me suis fait abattre. Non, alors. C'est reparti pour un tour. Merde. Ah, le gars s'est relevé. Je sens qu'ils vont me faire suer. Je sais pas si ça les aura calmés. Mal barré à mon avis. Très mal barré. Je n'ai pas le temps de m'extraire du véhicule. Violence. Ah, bah non. Non, non, tu me fais pas ça. Me planter la Jeep dans un arbre, non, c'est interdit. Ah, plus personne qui bouge là. J'en ai liquidé deux, mais il doit y en avoir d'autres. Bizarre. Personne d'autre ? Surprenant. Bijou, 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 bijou. On va à pas là, c'est par là, ou bas, ou bas. Alors, je vais l'avoir ma cible.
la question que je me pose, c'est qui est ma cible en fait dans cette histoire. Je suis censé baisser les armes. Censé. Non, c'est lui. C'est lui. C'est ma cible. Démarre. Et c'était très bien tenté, mais cela n'a pas fonctionné. Le petit coup de machette tranquille dans la nuque. Tant pis, je me barrerai du côté opposé. Il est où le trou du machin? Oui, il est là. Hop là. Une petite machette suffira. Où est-ce qu'il est, Clampin? Ah, il est un peu plus loin. Intéressante la mission. Alors, je vais pousser le perfectionnisme encore un cran au-dessus. La même position pour le véhicule, mais en sens contraire. Puisqu'il est fort à parier que je puisse me barrer. Voilà, comme j'ai croisé personne, je pourrais sûrement me barrer sans me faire voir. Donc je vais faire demi-tour avec la bagnole comme si de rien n'était. Hop là, voilà, que j'ai plus qu'à foncer. Je m'équipe de la machette. Je dis bonjour au monsieur et je repars aussi sec. Hein, monsieur? Voilà. Je pense pas qu'ils me poursuivront, je serais surpris. Normalement, j'ai réussi le boulot. Bon, mission accomplie. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Ah, il y a le bar qui est pas très loin. Il y aurait une mission. C'est malin. Encore? Thank you.
sais pas si j'ai pris la bonne route. Ça se coupe pas mal. Ça se coupe pas mal. Alors, le bar. Tranquille. Ça va, ça a pas trop... Non, non, le véhicule est pas endommagé. J'ai réussi à aller... à me promener, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Oh, une armurerie, quel bonheur. Je vais avoir encore des belles... des belles offres. Alors, un Dragunov, un lance-grenade et un fusil hypodermique. Ah oui! Mais oui! Le fusil hypodermique pour endormir discrètement ses ennemis. Ça donne des lieux à des scènes très drôles. Mais vraiment. J'avais oublié cette possibilité. Trop, trop bien. Mon bon ami, qu'est-ce que tu dirais d'un petit à côté? Mais je veux bien. Mon problème. Cet Ukrainien essaie de me piquer des parts de marché. Il attend l'arrivée d'une cargaison d'armes. Si tu détruis sa cargaison, je te ramènerai un truc très spécial pour ton inventaire. Moi, ça me va très bien. Mon bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le marchand d'armes, là? Passer de seringue, kit de seringue... Ah, non, il y a déjà des kits de seringue. Alors, bandoulière, fusil de sa ceinture, pistolet... Je me sers peu du pistolet, en fait. Ah, caisse d'armes secondaire principale. Pas mal. Intéressant. Amélioration, tac tac tac, lance fusée, fiabilité, ouais, au niveau des manuels. Alors les armes, fusil d'assaut, bon, l'idéal à la fin, c'est que après j'ai la collectionnite, que j'ai l'embarras du choix, que j'ai plein de flingues, évidemment. Ça va de soi. Je sais pas ce que ça vaut le 2EI là en explosif. Je sais pas du tout ce que ça vaut. On va voir. On va voir. Attends, on va sauvegarder sur un emplacement fixe pour le coup. Oui, tiens, je vais écraser la sauvegarde là. Alors, qu'est-ce qu'il vaut le lance... C'est un lance-patate, là, quoi? Je suis intrigué par l'arme. Ah, c'est ça? Mais comment on s'en sert? Attends, faut que je fasse des essais. Comment ça marche? Ah, mais c'est des mines! Oh, j'en ai combien? Ah, j'en ai qu'une. Oh, génial. Ah ouais, ça marche. Fallait que tu le fasses exprès, sinon c'est pas drôle. Ah bien, j'ai des mines télécommandées. Ouh, je vais m'amuser. Oh, je vais faire des cônes, oui. Bah tiens, ah, d'ailleurs, le prochain convoi de à faire péter, je pourrais le faire avec les mines, par exemple. Ça pourrait donner un résultat très drôle. Alors. Du coup, la mission de mercenaire, laisse tomber. Je la ferai plus tard. Alors. C'est pas la porte d'à côté. Il y a le bazar à Lumber. Ou alors je passe par là. Oh là 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 là. C'est à l'autre bout du pays. Je suis pas du tout là. Il faut. Je viens de voir le film Tetris, il est fort intéressant. Ah, j'ai jamais entendu parler du film Tetris, mais ouais. Alors attends, on va passer par Pala. Ah ouh. Attends, c'est de la flotte là, je vais noyer le moteur.
Okidoki, merci pour le lien culturel. Aerostar, décidément. Twinsen, merci. Faut que j'aille en face, je crois. Ouais, mon convoi devrait être par là-bas. Je pense que dans 20 minutes, on va basculer dans les bibilles. Le temps que j'élimine le convoi, là, puis on aura fait pas mal de Far Cry 2 pour aujourd'hui. Ah oui, forcément, il y a du monde. Ah, il y a un diamant dans le coin. Oh, attends, il y a du diamant dans le coin. Quoi ? Ah, j'avais un poursuivant, il m'a roulé dessus ? Alors là, j'étais surpris de ma mort. Je m'attendais à monter sur le capot de ma bagnole ou à l'arrière et puis m'amuser à les allumer, mais là, j'en ai pas eu l'occasion. La mort fut si soudaine. Ah, j'ai vraiment pas capté. Alors, ouais, il y a du monde. Attendez, il y a de la bagarre. Ah, je me suis fait liquider. C'est un safari en fait, ouais. Bonjour Delta. Oh, ça fait longtemps. Mais je vais bien, merci. Et toi? Oh, ça fait plaisir de revoir un peu de monde qui n'était pas passé depuis un petit bout de temps. Tout à l'heure, il y avait Gabriel, là, il est parti dîner. Et puis maintenant, toi, Delta, merci de passer. Ça fait zizir, comme on dit. Ça fait bien plaisir. Il planait. Ouais. Moi. Le problème, c'est qu'avec la végétation, pour les dégommer, c'est juste l'enfer, quoi. Alors... Non... Alors, j'aurais aimé me planquer dans les rochers derrière ma bagnole, mais par un jeu malencontreux de ce qu'on appelle techniquement de hitbox, de boîte de collision invisible hein, dans le jeu, je pouvais plus me mouvoir, donc j'étais une cible fixe, donc la cible idéale à abattre. Frustrant. Ah là 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 là... Bon... Si je m'arrête là... Est-ce que je peux les dégommer? Mais non, je vois rien là. Ça va, je m'étais fait mal il y a 2 semaines, mais ça va mieux. D'accord. Avec un peu de chance, je les ai tous eus. Avec un peu de chance. Jaloux, va. Et quand toi, tu lui fais ta voix merdique, tu vas supporter. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a une scène qui dit comment on peut couper les fonds de Tempan. Mais non, faut pas les lui couper, oh, tu une scène. Bah. Si on coupe mes sons, moi je te mets en mute et tu viendras en vocal dans GTA. Mmh. Si t'as pas ta voix normale, tu vas faire la même chose.
Que chacun puisse s'amuser. Alors, Nayonédé, c'est infâme ce diffuseur qui lâche des paix sans s'excuser. Je m'infidélise sur le champ de cette chaîne. Pas trop image à cause des derniers tournants dans ce dernier maxi, je suis en rappel. Ah oui, en critique de jeu, oui d'accord, j'avais pas vu le premier propos de Nashevman qui dit j'ai jamais compris pourquoi le jeu est le moins apprécié des Far Cry. Ouais, pourtant l'ambiance africaine, moi j'adore, mais bon. Mais bon. On fait un jeu sur l'Afrique, il faut tuer des Africains, j'ai l'impression que ça cause toujours problème. Hein. J'ai qu'à avoir R5, pas touche à l'Afrique. Oh, l'endroit présenterait du diamant. Il y aurait donc du peuple là-dedans. Ouais, il y a des baraques. Je vais y aller à pied. Je vais prendre une position de snipe et je vais... Enfin, si je peux. C'est pas dit que je puisse monter sur la formation rocheuse. Ah, si je peux. Ah bah, c'est même prévu aménagé cet effet, c'est drôle. C'est la fête. Merde, je croyais que c'était un tonneau d'explosif, con. J'entends des voix. Comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix mais je vois personne. Sérieux, c'est pas des tonneaux d'explosifs. C'est là où il faut tester le lance-fusée. Oh, ça va trop loin presque. Bizarre. Je suis vraiment surpris que ça flambe pas. Ah, c'est déjà mieux, je crois, non? Non. Oh, je suis déception! Je pensais provoquer un départ de feu, mais j'ai merdé. Personne au premier plan? Bizarre. Ah, il y a un truc qui commence à exploser. Ouais. Si je suis en entrepôt, il se passe rien. Il y a vraiment personne. Bizarre. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je m'attendais à avoir plus d'agitation, mais... Ouais, comme gel la pucelle, ouais, d'ailleurs. Oh non. Ouais, moi j'ai un affect particulier pour le deuxième Far Cry, là. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. C'est ça, le jeu de chasse safari, l'appel de l'Afrique. Il y a un peu de ça aussi. Oh. Bronze de disposition. Yeah, combo. Il n'y a pas de diamant par ici? Ah non, le radar ne dit rien du tout. Ah merde, il y a un mec là. Le gars, il dit rien du tout, il est inerte. Où,
Par moment, elle est un peu bizarre. Ah, ils sont deux encore. Alors attends, je vais me prendre des soins, je vais me barrer. Parce que là, je vais me faire allumer. Merci les collisions. Bon, bah, je vais rester là. Est-ce que je peux tirer à travers les planches? Merde, j'ai loupé. Je sais pas s'il est encore en vie, je vais peut-être devoir l'achever à la machette. Merde, il y a un mec là-bas. Attrape. Voilà. Ouais, non, j'ai plus de... Bonsoir Bastos! Non, il n'y a pas de lion dans Far Cry 2. Ce serait terrible de se faire attaquer par un lion. Ce serait terrible. Bizarre. Oh! Élevage de poules. Élevage de poules. Non, je peux pas y aller. Oh merde, j'ai pas le droit d'entrer dans la baraque. C'est une baraque secrète. Oh vache, j'ai bien fait flamber le bazar. Bon, bah voilà. Mon souci, c'est que j'aimerais bien avoir des munitions pour mon lance... mon lance-fusée. Ça. Merde, c'est pas ce qu'il me faut. Rebonsoir. Rebonsoir, mon cher Nayonet. Merde, la malaria. Bravo. Alors, Nashevman dit, ce matin, en prenant mon café, je me suis refait la plupart des clips. On a vraiment fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'est bien, c'est bien. Ouais. Les médocs pour lutter contre les syndromes de la malaria. Doudidouda. Bon, bah alors, moi j'ai pas... Tant pis, j'ai pas les munitions que je voulais. Le convoi, il est encore loin, mais j'ai une route qui va m'y mener. Alors attends, il me faut une bagnole. Tant pis si c'est une bagnole de civil. Je vais m'en contenter. Alors attends, voir. Demi-tour avec la bagnole. Il faut que j'aille où de camion aspire notre âme, une raison de plus de pas m'y mettre. Ce serait génial que j'arrive à me faire le camion avec une mine posée télécommandée sur la route. Tu sais, bien planqué dans la montagne en amont, histoire de bien me prendre la poire et de bien voir le spectacle. On va essayer de faire ça. Je sais pas si je vais y parvenir, mais ce serait génial. Oh merde, il y a un diamant plus proche. Stop, 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 stop. Il y a un diamant dans le coin. Oh, c'est bizarre par ici. Merde.
C'est débile ce que je viens de faire. Voilà. Youhou. Je comprends mieux, d'accord. Par rapport à la planque en fait qui est en contrebas. Enfin là, ouais. Alors, moi, il est intéressant que je m'arrête ici pour liquider 2-3 mecs et revendiquer en contrebas une planque. Voilà. Oh, 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 le mec, comment qu'il a sauté de sa chaise. L'horreur. Apparemment, ça veut pas flamber. Faites quoi, mais tout ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? On aurait dit que le gars aurait tiré sur les rochers. Non, c'est pas logique. Ah, j'entends le... Ah bah. C'est marrant parce que des diamants sont là et puis finalement je vais récupérer une planque. Attends, il est où le mec? Oh, il fait tout tomber, Régis. Oh, oui, il t'a fait du chabotage, là, en vrai. Oui. Chabotage. Ah, il est là, le gars. Ah bah voilà, planque débloquée. Par contre, elle est un peu dans la boue, la planque. Je voudrais pas dire, mais... Vous êtes en train de programmer votre prochain plan camion en Europe. C'est bien. Ah. Ah, ça discute bien dans le chat. C'est bien là-dessus. C'est cool. Le spectacle en vrai. Alors, regardons rapidement. Oh le con. Comment qu'il est mort comme un caca. L'autre sur sa chaise en plus. Ah, est-ce que ça me donne des armes de... Oui! Ça me donne des armes de lance-fusée. C'est l'amour. J'adore. Bon. Aïe. Ah, il s'est foulé la cheville. Non, non. Il y a pensé, c'est scandaleux. Va falloir... Ouais, ouais. Oups, j'ai glissé, bien sûr. Oh, les légumes. Ah non, ça va. J'avais une miette sur la patoune. Aïe, 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 aïe. Oh, ça fait longtemps que je les ai pas mises. Je sais plus comment on les met. Ah, oh. Parce qu'il y a des emplacements pour les doigts. Hein. Il y a quatre trucs, mais... Bobo. Faut que j'essaye d'atteindre le convoi comme ça. Ah bah, bravo. Non, je veux pas regarder... Le mec, il conduit, il regarde comme ça. Ah. Au secours. J'arrive même plus à conduire. C'est horrible. Mais pourquoi il s'est souvenu du gage? C'est scandaleux. Bon, je me plains, mais ça va. Oh, il y a encore des diamants. Sors du véhicule. Il y a des diamants. Sauvegarde. Voilà, sauvegarde rapide. Il est où le diamant? Merde, il y a un convoi qui arrive. Oh oh, je vais avoir un problème. Bah. Ah, merci. J'allais dire, il meurt quand, le gars? Attends, où sont les diamants? Ah, les diamants sont là. Attends. Attends. Ah, les, voilà la mallette. J'ai trouvé la mallette. La mallette magique. Oh, c'est de l'eau, ça.
Bah, si le feu m'atteint, je pourrais plonger dans la mare. Merde, c'est trop abrupt, je peux pas remonter. Bon, bah j'ai perdu mon véhicule, moi. Il est en train de fuir. Oh mon dieu. Je suis pas très loin du convoi à abattre. Hein. Ah, il y a un poste de garde avant. Attends, est-ce que je peux réparer la bagnole et me barrer? Apparemment, oui. Alors, on peut le dire, c'est chaud. Je suis persuadé parce que c'est le jeu et sur Steam. De quoi vous parlez? Ah, j'ai pas suivi votre conversation, pardon. J'ai pas suivi votre conversation. La 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 la. Je crois qu'il y a un poste de contrôle avant. Est-ce que je peux... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais sortir du véhicule, pas sauvegarder. Avec les patounes, je sais plus c'est quoi la touche. Oh, comment je vais faire pour avoir ma lunette de snipe? Ah, je veux changer d'arme, au secours. Mais je vais jamais réussir à sniper avec les patounes. Mais c'est impossible. Ah, au secours. Pardon si c'est Gerbotron. Je vous promets que je suis de mon mieux, mais c'est horrible. C'est une atrocité. Ah! Au secours, qu'est-ce que j'ai fait? Alors attends. Faut que je me baisse. Voilà, accroupi. Oh. Oh. Ouais, je l'ai eu. Merde! Mais non, mais c'est pas la bonne arme, bordel! Mais non! Ah! J'ai à peine effleuré la souris et ça a changé d'arme! Comment veux-tu que je les snipe? Merde, j'ai tiré au-dessus, il m'a vu. Mais non, mais merde, mais c'est injouable! Oh! J'ai eu un petit bug technique. Allez vite, change d'arme! Et voilà! Je les ai perdus de vue. Ah non, il y en a là-bas. Hop là. Si je dégomme les deux là, déjà, c'est bien. J'ai vu que le gars a essayé de me contourner. Allez, change. Merde! J'ai tiré à côté. Ah, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, les Mickey. Je crois que je l'ai eu. Je dis bien, je crois. Merde, il est rentré dans la casse-bas. Loupé. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Loupé. Oh, il a dû entendre la balle siffler, le gars. Mais. Prends la bonne arme, abruti. Patoune de malédiction, j'arrive plus à jouer. Mais non, mais arrête. Mais non. Oh, puis vas-y, fais ta cuisine. Moi, je vais me faire abattre, là. Il a le temps de venir, le gars. Bon, a fini, oui. Ouais. Je veux le snipe. Je veux le snipe. Je deviens fou. Voilà, j'ai perdu ma cible. Ah. Voilà, j'ai perdu ma cible. Je vous lirai dans le chat après. Attends, c'est trop de choses à la fois, pardon. Oh là là. Fini, oui. Attendez. Merde. Mais ma cible s'est barrée. À quelle heure il m'a demandé les patounes? C'est 10 minutes normalement, c'est honteux. Tu devrais poser la même chose avec des moufles.
Mon dieu, non. Ce serait pire, les moufles. Ce serait pire. Ah non, j'ai perdu ma cible. Je suis surpris qu'ils aient pas tenté de me rejoindre et de m'abattre. En me prenant à revers. Vraiment. C'est beau, c'est magnifique, on voit un étang au loin. Et merde. Ah, c'est pas vrai. Je vais essayer d'approcher au lance-flammes. On va pas tarder à faire les bibilles. Sauvegarde parce que je m'en sors pas trop mal. Oui, Nayonet. Oui. Oui. Merci, Nayonet. Pardon, j'ai lisé le chat, excuse-moi. Je sais plus ce que je disais, je sais plus où j'en étais. J'ai dit le chat a parlé, le chat était d'accord. Ah. Pour les bibis. Oh le bébé. Oh le bébé de folie. On va les faire dans 5-10 minutes. Ouais. Je veux absolument faire mon convoi. Non mais c'est si. C'est-à-dire quel jeu tu parles quoi, le bah, Need for Speed 4, le contre l'état de liberté, tu m'as proposé une fois. Ah oui, oui, le mode challenge, tout ça. Ouais. Oh, quelle horreur. Des lunettes avec effet kaléidoscopique. Non mais vous avez des idées. Oui. Et tu avais déjà fait en plus. Ils sont gratuits. Pour putain. Ah oui. Il n'y a que pour cette licence, mais sinon je suis pas un diamant. Fanat. Oh, il y a des diamants. D'accord. C'est sur après, qu'on ne sorte pas l'autre poursuite, il est à part quand même. Hein. C'est pas un jeu. Mais merde. Sauf que c'est une mode classique, mais. Donc tu peux mettre des R, c'est compagnie, c'est du Mario Kart, mais ouais. Voilà, du Mario Kart pour adulte. Donc tu joues au Mario Kart si t'avais Nintendo. Si j'avais la 64, ouais, bon, je vais jouer à Mario Kart. Mais j'ai des Bourrasseurs aussi, c'est plus sympa. Ah. T'as quand même quelques licences comme après. Si elles sont un peu spéciales. Ouais, mais le coup de course, c'est classique, c'est pas du mal. Ouais, c'est... Oui. C'est quoi, c'est le Forza Horizon. J'avais fait quelques courses, mais c'était très. Merci. C'était très. Je m'entends en double, ça me perturbe. C'est chiant. Et c'est très. Après, si on manquait des courses variées, mais c'est très répétitif au bout d'un moment et ça me m'intéresse pas tant que ça. Mais voilà, c'est faire la course pour la course, c'est vrai que c'est pas intéressant. Mais là. Des jeux comme Mario Kart ou Pursuit, il y a des challenges, il y a des défis, il y a des rigolades, mais... Bon, les patons, c'est passé. Ah, t'as retiré les patons. Bon, ça fait 10 minutes, oh. Oh, j'avais pas vu. Bah, j'ai un petit peu galéré. Que j'ai pas regardé, j'étais concentré sur le chat. Et t'as galéré, mais tu t'as évité tous les ennemis. Oui, c'est pas plus mal. Ah merde, mais j'ai plus la mine. Oh non, j'ai plus la mine. Voilà. Ah, il y a une patrouille. Je vais me mettre en aval, qui me voit pas. Patrouille, planque-toi. Ouais, ouais. Planquez-vous, planquez-vous. Attention, n'utilise pas ta grille de mots croisés. La petite bruit de mon croisé. Trop tard, je attends, on va dire si c'est trop tard, on va voir. On va voir si toi tu as commencé par la patrouille. Attention, il y a des lions, hein. Ouais. C'est mes lions apprivoisés, ils vont t'attaquer des petites boîtes. Je vais le prendre en face. T'as croisé
le cerf. Oui, il y a eu des gazelles, des zèbres. T'as fait un méchoui de zèbre. C'est ça. Bon, il est tombé. Ouais. Merde, je me suis fait repérer par une patrouille. Ouais, ils m'ont abattu. C'était sûr. Tu recommenceras plus, hein. Bah, c'est surtout que je vais changer de stratégie, oui. Ah, on va des zèbres, justement. Mm. Eh oui, je suis à côté d'une route, donc la patrouille, elle revient et blâme. Regarde. Voilà. Ce qui me fait un véhicule gratos. Ce qui m'arrange bien. Merci pour le défi. Quoi? Qui? Ah. Ah, le défi. Le défi de la vie. Il y a déjà quelqu'un qui a contribué pour avoir une coiffe. Au-dessus, il n'achète pas. Mmh. Et ensuite, il y a Bastos qui a fait ça. Docteur Boutique, pareil. Bon, il y a trois coiffes. Il m'en reste plus beaucoup à découvrir, donc elles deviennent plus difficiles à débloquer parce que je rachèterai pas de coiffe avant longtemps. Hein. J'en ai une dizaine. J'ai largement de quoi faire le mariole. Il y a une douze, il y en a des coiffes à 12 000 berga, d'autres à 8 000 et une autre à 28 000. Il y a des prix différents. Oui. Ah, le convoi, vous le voyez ? Noël, naïonné de coiffe. Noël ? Ouais. Quoi ? Bah, tu as une coiffe au sage, comme ça pour ses stars. Ah ! Oui. Oui, voilà, c'est un beau cadeau. Je suis une série de comme ça, c'est un cadeau original. Je cherche. Ah, ça reste. J'ai déjà un. Je vais participer au. Au commun de. Minecraft. Merde, allons-y alors. Reste à ton poste. Tu veux te faire flanquer? Lui fonce dessus, je veux plus le couvrir. Ah, ils m'ont eu. Oh là, je suis déception. La manière dont ils m'ont eu, je suis vraiment. Je suis si proche de la réussite de ma mission là, mais il faut que je me débarrasse d'eux. Happy à point, on fait les bébés. Ah, une coiffe de Thor là. Oh, t'as vu l'animal, regarde. Merde, je me suis planté dans l'arbre. Bon bah, je suis mort. Ah oui, j'ai vu l'animal. Oh merde. Juste là. Voilà, ah, oh, c'est vraiment les mots. Mais j'ai à peu près fait la situation. Merci beaucoup d'avoir renouvelé ton mission. Impossible. Voilà. En mode parde. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, condition réelle, hein. Une balle, un mort. Déconne zéro, je suis en mode légendaire. Voilà, légende. On va faire les bibis. Est-ce que t'es une légende comme moi? Non. Ah, ça a planté. Voilà,